Alone for knife shot. Il faut le reconnaître, les humains. Les humains. Les humains. Il faut le reconnaître, les humains. La majorité des hommes ne croient pas à l'existence des engins. Interplanétaire ou non. You look like you might be interested in a household product that makes things smell really good. La majorité des hommes ne croient pas à l'existence des engins interplanétaires ou non. La majorité des hommes ne croient pas en destinée ni en celle des autres ou non, ni en elle-même. Cette réticence est appuyée par des faits, il est vrai, par des canulars maintes fois reproduits par elles-mêmes, par eux-mêmes, et qui abusent des savants et des chercheurs sérieux. Oui, des savants et des chercheurs sérieux. Écoute, prends le cas de la soucoupe noîtrée, Vienne, 1954, et typique, atypique. Un ouvrier travaillant dans une carrière avec lui un engin atterré près de lui et ses occupants des humains. Pensait-on avait eu l'influence de la saillir. Une des premières apparitions françaises des soucoupes de... Je dirais pas le nom. C'est aussi une bonne plaisanterie créée de toutes pièces par une croissante comédienne. Une ravissante comédienne. Bref, il est certain que ces incartades ont vivement frappé la crédulité populaire. Mais il serait injuste d'abuser. Et injuste de nier purement et simplement l'existence de l'humain. L'humain et ses propres créations. L'humain et ses propres convictions. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Comme je vous le disais tout à l'heure, la majorité des hommes ne croient pas à l'existence des engins, interplanétaires ou non. La majorité des hommes ne croient pas en destinée ni en celle des autres ou non. Cette réticence est appuyée par des faits. Il est vrai, par des calinaires maintes fois reproduits par eux-mêmes, par elles-mêmes. Et qui abusèrent des savants et des chercheurs sérieux pour eux-mêmes. Oui, des savants et des chercheurs sérieux. Comme je te le disais tout à l'heure. Comme je te le disais tout à l'heure, prends le cas et fais un voyage. Prends le bus, le train, l'avion. Prends le cas de la soucoupe noîtrée, comme je le disais tout à l'heure. Vienne, 1954. Et typique ou des tricks. Critiques et atypiques. Un ouvrier travaillant dans une carrière avec lui en retirer un engin près de lui et ses occupants des humains. Pensait-on avait-il eu l'influence de la saillir. Une des premières apparitions françaises des soucoupes de. C'est aussi une très bonne plaisanterie créée de toutes pièces par une ravissante comédienne. Bon, je dirais le nom. Bref, il est certain que ces incartades pourraient être frappées par la crédulité populaire. Mais il serait injuste et absurde de nier purement et simplement l'existence de l'humain. L'humain et ses convictions, ses propres réactions face à face, face à l'impuissance qu'il a eu l'audace de créer lui-même. L'humain. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître.